Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée très 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 spéciale. Et oui, je fête mon confinersaire. Tout à fait, je fête mes 37 ans. En fait, faudrait que je chante, tu sais, comme les Américains, ils ont tendance à tout tu vois, faire dans l'entertainment à fond. Et en plus, à chaque fois, c'est super bien fait, même quand ils chantent les anniversaires. Donc, je sais pas, imagine-toi, moi en train de chanter mon joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Déborah. Joyeux anniversaire. C'était plutôt pas mal en fait. Faut savoir se congratuler en fait de temps en temps. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chappelle, je suis coach au potentiel émotionnel. J'accompagne les enfants, les collégiens, les lycéens, les étudiants hypersensibles à devenir des adultes responsables et épanouis. Et surtout, je les aide à créer leur projet professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu perso sur le fait que voilà, c'est une journée spéciale pour moi, je fête mes 37 ans. Je vous avais déjà expliqué lors d'une des vidéos que je mets en lien au-dessus là. Ma difficulté de vieillir, j'avais pas envie de prendre en âge dès le plus jeune âge, j'avais compris que le monde adulte allait être compliqué pour moi. Et en fait, jusqu'à l'année dernière, je fêtais pas trop mon anniversaire, c'est pas quelque chose. Voilà, de temps en temps, je faisais un truc, mais c'était pas quelque chose où systématiquement tous les ans je le fêtais quoi. Et en fait, depuis l'année dernière, je me suis aperçue que si, en fait, c'est important de fêter son anniversaire. C'est ma journée, c'est mon moment, c'est le seul moment où, où j'ai existé dans ce monde, où j'ai pris une forme humaine dans ce monde, et je pense que c'est important de le fêter. Je ne suis pas peu fière de la petite performance que je vous ai faite en live mode américain. Ça sera mon petit cadeau du jour. Mais tout ça pour vous dire que ces deux confinersaires m'ont fait prendre conscience que c'est important de fêter sa journée, de se retrouver avec ses amis, avec sa famille, de te célébrer en fait, de célébrer ta vie et ton existence. Donc la vidéo est très courte, plutôt perso. Là-dessus, en fait, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, pour vous hypersensibles, c'est comment vous avez, déjà, si vous avez vécu un confinersaire, et du coup, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez mis en place, et qu'est-ce que ça vous a appris. En fait, c'est ça qui est toujours hyper intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a vraiment appris, qu'est-ce que t'as... Voilà, quelle a été la leçon retenue. Donc, moi, ma leçon, c'est de me dire qu'effectivement... Maintenant, je ne m'autoriserai plus jamais à ne plus fêter mon anniversaire. C'est ma journée, c'est mon moment. Et voilà, et ça m'a fait énormément de bien de chanter. Donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu et si ma petite performance vous a plu, je vous invite à faire un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager. N'hésitez pas non plus, donc voilà, à me partager vos moments de confinersaire, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça vous a appris. Et je vous dis à très très vite, à très 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 vite, à très bientôt. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires et vos likes et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !